les petits, c'est que je vous écoute déjà depuis une demi-heure. Vous parlez d'une des choses, de sujets. Moi, j'ai fait la guerre. Eh oui, c'est pas la même chose. Vous connaissez pas la guerre, vous. Vous connaissez pas les privations. Moi, j'ai fait la guerre et... j'ai été décoré. Pourquoi? J'ai fait du renseignement. Fallait en avoir à l'époque, hein, pour faire du renseignement, hein. Eh oui. Pour être du bon côté, au bon moment, et prendre des risques. Fallait en avoir. Comme les jeunes de l'époque. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, c'est pas pour critiquer, je cherche pas à vous critiquer, mais... Vous m'impressionnez pas vraiment, hein. Au revoir. Au revoir, les jeunes. Ouais. Ouais, chérie. C'était des jeunes. J'essayais de faire la conversation. Ah, tu m'as entendu? Ouais. Mais... ouais. Oh, mais je leur ai dit que j'ai fait la guerre. Ils peuvent pas savoir. C'était pour les éduquer. C'était pour les aider à voir les choses d'une autre façon. À notre âge, on a cette chance-là, on peut pas être plus vieux qu'on est. Je te les rendrai, les 50 euros. Je te les rendrai, je les ai pariés au jeu, mais je te les rendrai. Ouais, c'était toi qui étais une résistante à l'époque. Moi, j'étais du mauvais côté, mais bon... Ils ont pas le savoir, les jeunes. C'est entre toi et moi. Ouais, bon... Hey, tu m'as fait quelque chose de bon à manger? T'es gentil. T'es vraiment gentil. T'es vraiment... T'as été courageuse. T'es courageuse. Et t'es une très, très, très bonne cuisinière. Et ça... C'est la meilleure de tes qualités. Je te remercie. Bon, on va se lever. Tu m'aides, s'il te plaît. J'ai mal au dos.